Vous vous intéressez à un ordinateur portable pour étudiants, car quand il s'agit d'étudier, eh bien vous avez simplement besoin d'un outil fiable, autonome et également mobile pour travailler tranquillement et ainsi vous assurer, eh bien tout simplement de réussir votre année, parce que c'est important d'avoir du bon matériel. C'est pourquoi, eh bien nous vous avons préparé un top 3 des meilleurs ordinateurs portables pour étudiants. Et c'est parti, on y va, let's go! Donc du coup, pour ce top 3 sur les meilleurs ordinateurs portables pour étudiants, spécialement pour étudiants, il faut savoir que on vous a préparé du coup 3 produits. Il faut savoir que au niveau des prix, ça va être en évolutif. C'est-à-dire que le premier qu'on va vous présenter, ce sera le moins cher et probablement un excellent rapport qualité-prix. Surtout si vous êtes étudiant et vous n'avez que besoin d'un ordinateur pour être étudiant, c'est génial. Et il faut savoir qu'au plus, on va augmenter du coup dans les tops. Donc top 3, ce sera le moins cher. Top 2, ce sera gamme intermédiaire. Et top 1, ce sera vraiment le nec le plus ultra. Du coup, si vous voulez un excellent ordinateur, du coup, et vous faire plaisir pour étudiants, voilà tout. Mais il faut savoir déjà rien que le top 3, si vous voulez juste un ordinateur pour étudiants, a priori quand on est étudiant, ce qu'on a besoin de faire c'est des outils de traitement de texte majoritairement, bien pouvoir classer ses documents et quelque chose d'assez mobile, une bonne autonomie. Généralement les fonctions sont assez simples, donc ça fera peut-être largement l'affaire en tout cas pour ce top 3. Mais si vous voulez vous faire plaisir, vous pourrez regarder le top 2, top 1, bref, je pense que vous m'avez compris. Et donc du coup on y va donc pour ce top 3 donc, qui est le Lenovo Chromebook IPA Pad Duet ordinateur portable 2 en 1 en 10,1 pouces, donc il faut savoir déjà c'est le plus petit des trois que je vous présente aujourd'hui. On dirait presque une tablette, hein. Vous pouvez même le séparer, du coup comme vous le voyez à l'image c'est quasiment une tablette, mais vous pouvez intégrer un clavier du coup avec, qui est livré avec bien sûr. Donc il faut savoir que c'est un en Full HD, clavier détachable, c'est MediaTek, tout simplement de P60T en RAM 4 Go, eMCP de 128 Go, Chrome OS AZERTY, donc de la marque Lenovo. Et il faut savoir déjà tout simplement pour vous le présenter, si je vais vous parler tout simplement de sa notation, on est sur un produit qui est noté 157 évaluations à 4,5 étoiles sur 5, ce qui est une très très bonne notation. Et également il y a le badge Amazon Choice, donc on est vraiment au niveau de la notation, vous êtes certain en tout cas de ne pas vous tromper en faisant du coup cet achat si vous voulez le commander, du coup le Lenovo Chromebook IPA Pad. Donc sinon au niveau des prix, donc pour directement vous présenter, hein, sachez que c'est le moins cher du coup des trois, il est à 349 €, et il faut savoir qu'il y a une réduction et vous pouvez l'avoir à 269 €, ce qui est vraiment pas cher du tout pour un ordinateur portable. Si vous êtes étudiant, vous n'avez peut-être pas besoin d'un ordinateur portable ultra puissant, etc. Et il peut faire largement l'affaire. Surtout les Chromebooks, ils ont la réputation d'être des excellents rapports qualité-prix. Bref, donc il faut savoir que vous pouvez avoir une réduction de 81 €. Du coup, parce que au lieu de payer 249 €, vous pouvez l'avoir à 269 €. Et c'est simplement en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo YouTube, vous allez arriver directement sur la référence avec la réduction en question. Donc voilà pourquoi je vous invite à cliquer sur le premier lien. Si cette première référence, en tout cas pour ce top 3, eh bien, vous intéresse, tout simplement. Donc il faut savoir que quand vous allez vouloir eh bien, le prendre, vous allez avoir le choix entre plusieurs options. Donc vous allez avoir au niveau de la RAM, donc RAM 4 Go en EMC en 128 Go, ou alors soit en 64 Go. Il y a une petite différence, vous gagnez peut-être 20 € en prenant moins de mémoire, ou soit 128 Go ou soit 64 Go. Franchement, voilà, ça dépend de vous. Si vous avez des gros documents à porter, prenez la version 128 Go, mais sinon 64 Go, ça marche aussi, c'est encore moins cher. Là, il a 252 € du coup avec la réduction, donc ça vaut vraiment le coup en tout cas. Donc, c'est vraiment le moins cher que vous pourrez retrouver aujourd'hui. Et si je dois vous parler du coup des descriptions, donc sachez que c'est un Chromebook et ce sont des ordinateurs portables sûrs, rapides et intelligents qui fonctionnent sous le système d'exploitation Chrome OS. Démarrage en quelques secondes, aucun ralentissement de temps grâce aux mises à jour automatiques, antivirus déjà intégrés et batterie de longue durée. Que ce soit sur le web ou via les applications du Google Play et Store, et bien sachez que vous pouvez tout faire avec les Chromebook, voilà, vous pouvez laisser libre cours à votre créativité, optimiser votre productivité, regarder des films et des séries, jouer à des jeux que vous aimez déjà. Les Chromebooks sont compatibles également avec Microsoft Office, très important, mais c'est la base, mais voilà, pour que vous sachiez, Microsoft Office est compatible. Vous pouvez eh bien, également retrouver toutes les applis Word, Excel et PowerPoint tout simplement sur le web convertible, utiliser l'IdeaPad eh bien, du RAID comme ordinateur portable avec un clavier pleine taille, confortable et réactif, ou détachez-le tout simplement pour une utilisation comme si c'était une tablette. Au niveau de l'écran, sachez que c'est un écran tactile 10,1 pouces Full HD. C'est juste pour savoir, vous pourrez l'embarquer facilement dans votre sac, hein, si vous êtes étudiant. J'ai sélectionné comme ça d'ailleurs. Il y a un processeur MediaTek de P60T, une mémoire RAM de 4 Go, stockage en 128 Go, eMMC, profité de 100 Go de stockage en ligne offert en activant l'offre d'essai d'un an à Google One. Et également, vos fichiers sont automatiquement sauvegardés. Vous pouvez également y accéder depuis n'importe quel device, donc n'importe quel outil connecté.
à internet. Il y a une autonomie jusqu'à 10 heures, donc voilà, vous pouvez en faire beaucoup en tout cas avec une seule charge. Et Chrome OS optimisé en permanence, et bien les performances de la batterie. Et au niveau du poids, si ça vous intéresse, sachez qu'on est sur 450 grammes, donc c'est pas cher, enfin c'est pas lourd du tout pour la tablette, ce qui concerne la tablette. Et si vous voulez la tablette plus le clavier, on est à 920 grammes, donc c'est même pas 1 kg, donc vraiment très très léger. Ça peut se porter partout, donc je vous dis 10 pouces, c'est vraiment tout petit, voilà la taille d'une tablette. Vous pouvez le mettre facilement dans un sac, que vous ayez un sac à dos, voilà, un sac à main même, ça rentre très facilement, donc vraiment très très bon ordinateur que je vous recommande beaucoup du coup en top 3. Voilà, si vous voulez un ordinateur pour étudiant, le Lenovo Chromebook, voilà les Chromebook, très très bon rapport qualité-prix, et c'est le top 3. Sans trop attendre, on passe directement au top 2, et celui-ci c'est le Acer Swift 1 SF 11434P8Q7, ordinateur portable ultra fin en 14 pouces FHD IPS, PC portable Intel Pentium Silver en N6000, RAM 4 Go, SSD 128 Go, Intel UHD graphique, Windows 10, et avec un clavier AZERTY et également laptop gris. Il me semble que vous avez différentes options. Donc vous pouvez avoir l'option en SSD, et bien tout simplement qui fait 128 Go. Vous avez également l'option en 256 Go, vous avez l'option 64, et voilà, vous avez également une autre option avec un processeur Core i3, ce qui est beaucoup, un Core i3, enfin là ça commence à être un très bon processeur, et avec 256 Go, ce sera le plus cher du coup de toutes les différentes options. Mais si vous prenez simplement, si vous êtes étudiant, hein, tout simplement vous recherchez un très bon PC, en tout cas spécialement pour étudiants, je peux vous dire, vous avez juste à laisser comme tel, vous cliquez sur le deuxième lien dans la description de du coup cette vidéo YouTube, vous allez directement accéder à la référence, et je peux vous dire que ça vaut large le coup. Donc si je dois vous parler de sa notation, donc on est à 112 évaluations à 4,5 étoiles sur 5, et un Amazon Choice, donc vraiment très très bonne note, très très bien notée. Et au niveau du prix, très important, hein, parce que vous êtes étudiant, c'est un budget étudiant, en tout cas sachez que c'est pas très cher, on est à 389 €. En fait normalement il est à 429 €, mais il y a une réduction de 40 €, si vous cliquez sur le deuxième lien du coup dans la description pour accéder directement à la référence, et vous pouvez l'avoir ainsi à 389 €. Donc c'est un très très bon prix, sachant qu'un ordinateur portable normalement ça coûte à peu près 800 €, voire même 1000 €, hein, un bon ordinateur portable, c'est plus moyen. Sachez que là on est sur moitié prix, voire même moins que moitié prix, là 389 €, on est vraiment sur un prix imbattable, parce que je rappelle que le précédent c'était une sorte de tablette ordinateur, là on est vraiment sur un vrai ordinateur portable, et seulement à 389 €, donc ça vaut vraiment le coup. Je trouve que ça passe très cher du coup, et très très bien noté en tout cas, voilà pourquoi je l'ai mis en top 2, et c'est probablement l'un des meilleurs, hein, vraiment, que vous pourrez retrouver sur Amazon et même sur le marché de manière générale. Et si je dois vous parler du coup tout simplement des informations donc à propos du produit, donc il faut savoir que la mise à niveau est bien possible vers Windows 11 est disponible, voilà, dès que vous allez le prendre. Il y a une puissance de traitement PC bien portable avec un processeur Intel et bien Pentium Silver de N6000, RAM de 4 Go, DDR4, SSD de 128 Go, PCIe et graphiquement intégré, profiter d'un temps de chargement accéléré et d'une qualité graphique améliorée, des images saisissantes, laptop avec écran Full HD IPS et bien de 1920x1080 de 14 pouces et bien à bord fin pour des couleurs réalistes et des images éclatantes, light blue, simplement shield, blue light shield, et bien atténue la lumière bleue, et également config view dal might limite les reflets, une conception légère. La Acer Swift 1 est un ordinateur portable ultra léger et compact optimisé pour le travail et les loisirs. La conception sans ventilateur réduit le bruit au maximum afin d'offrir un environnement de travail parfait. Il y a également un accès intelligent, utiliser le lecteur d'empreintes digitales intégré à ce PC portable pour une connexion rapide et sécurisée, et interagissez avec le Cortana grâce au Wake On Voice WOV même lorsque l'appareil est en mode veille. Également, sachez qu'il y a une batterie longue durée Ultrabook sur et sans faille pour toute la journée, jusqu'à 15 heures d'autonomie, donc idéal pour une journée de cours, et recharger votre ordinateur très rapidement avec la batterie Fast Charge de 30 minutes de charge pour 4 heures d'autonomie. Et également, dernière chose, alors je vous ai parlé du coup de 14 pouces. Il faut savoir que moi-même, j'ai un ordinateur portable à 13 pouces. 13 pouces, ça rentre largement dans des sacs. Donc 14 pouces, je ne sais pas si vous voyez les sacs ISPAC. Bon, c'est les sacs généralement d'étudiants, quoi. Je ne sais même plus si c'est les sacs d'étudiants par défaut, mais sachez que des sacs étudiants, en tout cas par défaut, je pense surtout les sacs de mecs, hein, normaux. Sachez que 14 pouces, ça rentre largement dans un sac. Hein. C'est pour ça que je l'ai sélectionné, voilà, pour sac étudiant, enfin pour ordinateur étudiant, pour
pour les sacs féminins. Donc, je pense que si vous avez une petite valise ou quoi, enfin 14 pouces, voilà, c'est pour savoir à peu près au niveau d'un sac. Ouais, 14 pouces en tout cas, c'est généralement la dimension basique hein, d'un PC portable. Donc vous ne pourrez pas vous inquiéter du coup de ne pas pouvoir faire en sorte que votre PC aille bien dans votre sac. Également aussi, dernière chose avant de passer au top 1, sachez que pour cet ordi en particulier, et même c'est le cas du coup de chaque top, hein, du coup sur le top 3, le top 2 et également le top 1, sachez que les retours sont gratuits. C'est-à-dire que Amazon, et eh bien si le produit ne vous convient pas, et eh bien sachez que les retours sont gratuits. Donc Amazon peut les reprendre et donc par conséquent vous n'avez aucun risque de commander chez eux. Et c'est le grand avantage du coup de commander chez Amazon, parce que finalement vous n'avez aucun risque de ne pas être satisfait de votre produit. Bien sûr, c'est bien dès que le produit est très très bien directement pour vous. Mais je peux vous dire, là, les notations sont tellement bien, mais dans le pire des cas, si vous n'êtes pas satisfait, sachez que les retours sont gratuits par Amazon. Et c'est le cas du top 3, top 2 et top 1. Bref. On passe maintenant au top 1 et on va terminer du coup par ce top 1 qui est le NEC le plus ultra et qui est le meilleur. Moi j'en ai un en tout cas, c'est un MacBook. Bon voilà, quand on parle d'ordinateur portable, bah, quelle marque eh bien, fait les meilleurs ordinateurs portables? Eh bien, sans aucun doute, c'est Apple. Apple font des excellents ordinateurs portables. J'ai moi-même un MacBook Pro qui date de simplement 2017, donc ce qui fait quand même un petit moment. Sachez qu'il marche toujours nickel et je vous fais vraiment un témoignage client. Moi je suis juste fan des MacBooks et je suis très très content en tout cas que mon ordi marche toujours très très bien, même si ça fait 4 ans là qu'il marche. Et surtout un biais très important, sachez que je fais beaucoup beaucoup de montage vidéo sur cet ordi en particulier, et normalement le montage vidéo c'est les tâches les plus compliquées à réaliser pour un ordinateur. Ça consomme énormément de RAM, énormément de mémoire, etc. Et faut avoir un ordinateur puissant. Sachez que j'ai fait énormément de vidéos avec cet ordinateur. J'ai fait des vidéos où j'utilisais des plans de drone, des vidéos en 4K ou quoi. Bien sachez que j'arrivais à le faire tourner tranquille sur un MacBook Pro qui datait déjà de 2017. Donc ça veut dire que pour un MacBook Pro de 2020, enfin vous allez vraiment avoir une machine de guerre quoi, pour faire tout ce que vous voulez. Moi je suis extrêmement satisfait, ça dure sur le long terme, c'est vraiment des super outils. Donc peut-être que vous allez payer plus cher là. Il faut savoir que pour ce top 1 du coup, le MacBook Pro Air, eh bien il coûte 1000€. Là on est normalement à 1129€, c'est le prix, mais vous pouvez avoir une réduction de 69€ et l'avoir à 1059€ en cliquant sur le troisième lien dans la description YouTube. Sachez que c'est pas cher finalement, parce que vous allez économiser, parce que je peux vous dire au moins 4 ans, 5 ans il va marcher. Même peut-être, franchement je vous dirais, les appareils Apple ça marche tellement bien. J'ai moi-même un iPod Nano ça date, je sais pas si vous vous souvenez des Apple Nano, qui date de peut-être 2009 je crois, et il fonctionne toujours. Donc moi je trouve ça juste impressionnant, les appareils Apple on dirait qu'ils meurent jamais quoi. Donc c'est un investissement en tout cas, mais je peux vous dire, vous allez peut-être payer plus cher maintenant, mais vous allez pouvoir le garder sur la durée. Je trouve que c'est un très beau produit et moi j'en suis très satisfait hein, les MacBook Pro, enfin là c'est un MacBook Air, c'est vraiment des super outils hein, les outils Apple, donc je le recommande fortement. Et donc bref, et pour parler du coup de sa notation, donc je vais donner mon avis témoignage client, mais sinon ce qu'il faut savoir c'est que il y a plus de 1296 personnes qui ont pris ce MacBook Air en particulier et qui ont été ultra satisfaits, parce que là on a quasiment du jamais vu en termes de notation sur Amazon. On est à 5 étoiles sur 5 sur Amazon, ça veut dire que toutes les personnes ont été extrêmement contentes et il y a eu zéro défaut. C'est très très rare d'avoir 5 étoiles sur 5, déjà 4,5 étoiles sur 5 c'est difficile à avoir sur Amazon, surtout quand il y a beaucoup de personnes qui l'ont acheté. Là 5 étoiles sur 5 pour plus de 1296 évaluations, c'est un sans faute, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. En plus de ça vous avez le badge Amazon Choice, donc très très bien. Donc sinon, si je dois vous parler du produit, sachez que vous allez avoir, donc en cliquant sur le troisième lien dans la vidéo YouTube, vous allez directement accéder à la référence. Il faut savoir que vous allez avoir trois couleurs différentes, trois coloris. Donc vous allez avoir directement le gris sidéral, la couleur argent et la couleur or, tout simplement. Donc après c'est à vous de faire votre choix. Et également vous allez pouvoir choisir entre du 256 Go ou du 512 Go. Alors si vous êtes étudiant et que voilà, vous prévoyez pas non plus de faire du montage et des choses vraiment très puissantes avec votre ordi, je vous conseille de prendre le 256 Go, donc la version par défaut quoi, qui coûte normalement avec la réduction ça fait 1059€. Mais si vous voulez faire du montage vidéo et alors soit vous voulez vraiment mettre des programmes qui sont assez puissants en termes de mémoire et tout, énergie quoi, enfin surtout mémoire, au niveau des gigaoctets, ben je vous conseille de prendre la version en 512 Go qui est à 1300€ du coup au niveau du prix. Donc c'est un petit peu plus cher, mais ça vaut le coup parce que vous allez avoir plus de mémoire. Donc après c'est à vous de choisir. Mais si vous êtes juste étudiant et vous voulez juste un ordi étudiant et vous voulez un très bon ordi, surtout je les trouve très classe hein. Pour moi les MacBook c'est vraiment classe quand on est étudiant quoi, je trouve ça stylé. C'est vraiment bien. Moi j'avais un MacBook hein, quand j'étais étudiant du coup en 2017 ça date, c'est déjà il y a 4 ans, mais voilà, je vous raconte un peu ma vie, mais j'avais un MacBook en tout cas, j'étais très
très satisfait. Donc sinon, si je dois vous parler de l'article, donc sachez que au niveau des conditions techniques, donc sachez qu'il y a une puce M1 conçue par Apple pour un gain de performance spectaculaire au niveau des processeurs centrales, du processeur graphique et également de l'apprentissage automatique. Une autonomie record pouvant atteindre 18 heures. Il y a une CPU de 8 cœurs jusqu'à 3,5 fois plus rapide pour s'accomplir à une vitesse phénoménale. Il y a une GPU jusqu'à 8 cœurs et performante graphique jusqu'à 5 fois plus rapide que les apps et jeux au graphisme sophistiqué. Il y a un Neural Engine au 16 cœurs et pour un apprentissage automatique avancé, il y a 8 gigaoctets de mémoire unifiée et également pour tout faire de façon fluide et rapide. Et il y a un stockage SSD ultra rapide qui lance les applications et ouvre les fichiers en un instant. Donc bref, là c'est vraiment le nec le plus ultra. Si vous voulez le meilleur des MacBook Air en tout cas, enfin même des MacBook de manière générale, j'ai fait mes recherches et celui-ci c'est le meilleur en tout cas que vous pourrez retrouver sur Amazon. Non seulement je trouve que le rapport qualité-prix est plutôt intéressant pour un Apple, normalement c'est peut-être un peu plus cher, mais là vous allez vraiment faire un excellent investissement. Voilà pourquoi je vous le recommande en top 1, le 2020 Apple MacBook Air avec M1 chip. C'est vraiment un super ordinateur, voilà, je vous le recommande fortement. Mais voilà, si vous êtes étudiant, juste du traitement de texte, le top 3, top 2 est vraiment pas mal. Bon, c'est un PC portable mais très très bien. Et le top 1 du coup, c'est le nec le plus ultra du coup en termes de PC ou ordinateur portable du coup, là quand c'est un Mac pour le top 1. Donc voilà, sur ce, eh bien je vous remercie. C'était le top 3 sur les meilleurs ordinateurs portables pour étudiants du coup que je vous ai présenté, et ça a été présenté du coup par la chaîne Coup de Cœur. Il faut savoir que la chaîne Coup de Cœur, c'est une chaîne qui s'intéresse tout simplement à faire des comparatifs de produits, donc des produits high tech ou alors soit tout simplement des produits multimédia, des produits également électroménagers. On fait beaucoup de produits différents, mais le but c'est tout simplement de sélectionner les meilleures références pour vous, de sorte à ce que vous ayez le meilleur. Et si on arrive à remplir cette fonction, et dans ces cas-là, on a rempli tout simplement notre mission. Voilà pourquoi, si ça vous intéresse et que vous voulez voir d'autres reviews ou également vous voulez simplement vous abonner à la chaîne, faites-le. Et ce serait sympa aussi de tout simplement laisser un like et également de laisser un commentaire si vous voyez qu'on vous a aidé, quoi, tout simplement. Parce que ça nous permet tout simplement de nous dire qu'on aide des gens et on est content si on arrive à aider des gens, quoi. Ne serait-ce qu'une seule personne qui tombe sur cette vidéo et qu'on arrive à aider, dans ces cas-là, on est très content en tout cas. Donc voilà tout, faites-le pour nous remercier si vous avez envie. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, suivant si vous m'écoutez la journée ou si vous m'écoutez le soir, tout simplement. Sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous dis au revoir. Salut!